Salut salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo Bullet Journal Zoom Zoom de l'année 2019. C'est une vidéo qui va se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, on va faire un petit état des lieux rapide, des différentes pages que j'ai installées dans mon carnet pour ce début d'année 2019. Et dans un second temps, donc dans une deuxième vidéo, on va s'attarder plus spécifiquement sur la définition et le suivi des objectifs dans mon carnet, sur les choix que j'ai faits cette année, à la fois sur la manière de définir mes objectifs et la façon dont je compte les suivre en fait précisément. Je me suis créé pour ça un tracker dont je vais vous expliquer le fonctionnement. Mais dans un premier temps, pour que la vidéo soit pas trop longue, on va uniquement faire le petit tour des pages et dans la seconde vidéo, on ira plus profondément sur la question des objectifs qui intéresse certains et certaines d'entre vous plus spécifiquement et pour laquelle j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu plus complet. Alors, on démarre tout de suite. En 2019, je renoue avec l'Oysture 1917. Vous le savez sans doute si vous me suivez depuis un moment. J'utilisais depuis juin 2018 un carnet X17. Donc c'était un carnet qui rassemblait 4 petits carnets amovibles. Un qui servait à mes plannings, un autre à mes collections, un autre au blog et un autre à mes petits dessins. Je suis arrivée en décembre à la fin de la plupart des petits carnets que j'étais en train d'utiliser dans ce X17. Et début décembre, quand je suis allée au salon Création et Savoir-Faire, lors de ma rencontre avec Ryder Carroll, j'ai reçu en cadeau donc, ce carnet Bullet Journal édition limitée. Je ne sais pas si vous voyez, c'est édition limitée parce qu'il est embossé Bullet Journal ici. Je ne sais pas si vous voyez là quand je le bouge. C'est gravé en fait, Bullet Journal. Et j'ai fait graver en supplément sur le stand Leuchtturm au salon Création et Savoir-Faire cette petite phrase qui veut dire « le jour où j'ai rencontré Ryder », histoire de marquer le coup sur cette journée un peu particulière. Donc voilà, ce carnet, il s'ouvre. C'est un carnet collector parce que Leuchtturm y a rajouté des pages et des informations spécifiques à la méthode Bullet Journal. Notamment, ici, on a une page de clés. Alors moi, je ne m'en sers pas parce que ça fait tellement longtemps que je pratique maintenant que j'ai plus besoin en fait, d'un aide-mémoire par rapport aux clés dont je me sers. J'ai ajouté par contre, vous connaissez peut-être ce principe, j'en parlais dans mon premier livre, ce que j'appelle le flip. Donc c'est avec un peu de masking tape, je scotche une petite fiche Bristol sur laquelle je note une légende dont j'ai besoin. Ça permet, une fois que le carnet est ouvert, en fait, de ne pas avoir besoin de feuilleter systématiquement pour trouver ce qu'on cherche. Alors moi, cette année, je continue mon principe de gommette comme on avait vu il y a maintenant 2 ans. Je vous invite à regarder cette vidéo sur l'optimisation de l'index. C'est une des toutes premières de la chaîne où je vous explique le fonctionnement de ces petites gommettes là que je mets sur les tranches. Cette année, toutefois, j'approfondis un peu ce fonctionnement-là. Initialement, j'utilisais ces gommettes pour matérialiser mes plannings et les types de contenus. Donc si c'était pour le blog, pour mes finances, pour ma vie personnelle, pour mes enfants, etc. Cette année, je change et j'attribue une couleur à chacun de mes objectifs de l'année. Et toutes les pages, les collections, les plannings, etc., etc., les listes qui vont se rapporter à un objectif vont récupérer la gommette correspondante. Ce qui signifie que quand je travaille un objectif particulier, il me suffit de regarder ma tranche et de voir en fait où se trouvent les différents contenus, en sachant que j'ai également indexé, en fonction des objectifs, j'ai également indexé les pages correspondantes. Donc, on va ouvrir tout de suite ce petit tour d'horizon par mon futur log, qui est inchangé depuis la 4e édition, je crois. Donc c'est un mix de 3 formules différentes. Le Futurlog classique qui utilise des espaces de notes, d'accord. Le Futurlog en format calindex qui utilise une vue verticale dans laquelle on peut également noter des numéros de pages. Pour le moment, moi je n'en ai pas, mais on peut noter des numéros de pages en fonction des dates dont on a besoin. Si on a noté des choses sur une page particulière qui se rapporte à un rendez-vous, on peut noter le numéro de page à cet endroit-là. Et la vue Alastair, qui permet d'avoir une vue à très long terme. Donc moi, sur cette double page plus un volet des clients, j'ai une vue sur 2 ans complets. Hein. J'ai une vue de janvier 2019 à décembre 2020. Donc c'est plutôt très optimisé et c'est plutôt très 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 efficace. Ça fait, c'est la 4e fois donc que je réitère cette version qui me correspond tout à fait. Et je pense que je suis arrivée en fait à la version ultime pour moi. Je ne vois pas comment je pourrais améliorer encore ce futur log par rapport à mes besoins.
On continue avec le calendrier annuel. Donc c'est une petite vue calendaire de janvier à décembre. Puis on atteint mes objectifs 2019. Alors j'ai 7 objectifs cette année. Le premier, déstocker toutes mes pelotes. Le deuxième, produire le moins de déchets possible. Le troisième, lire 10 livres. Le quatrième, courir 50 minutes sans m'arrêter. Le quatrième, développer ma communauté. Le cinquième, être constante dans mes publications. Et le sixième, créer 5 programmes en ligne pour le blog. Ces objectifs, on le verra dans la deuxième vidéo en détail. Ils sont définis et suivis d'une certaine façon. On y reviendra. On va passer rapidement dans cette première vidéo sur le tracker. Mais voilà, n'hésitez pas à regarder la vidéo suivante si vous avez envie de voir comment est-ce que j'organise tout ça exactement dans mon bureau. Le planning mensuel de janvier, qui est ultra basique pour le coup. Comme d'habitude, 31 jours, objectif tâche. Je n'ai rien mis d'autre parce que je ne sais pas trop de quoi je vais avoir besoin encore ce mois-ci. On arrive doucement à la mi-janvier, mais voilà, ce sera peut-être un espace de notes ou un espace de dessin ou une citation, je ne sais pas trop quoi. Mais pour le moment, je n'ai pas la sensation d'avoir besoin de plus que mes objectifs et mes tâches ce mois-ci. Donc pour le moment, voilà, je laisse comme ça. Ici, j'ai des pages quotidiennes. Vous remarquerez depuis un ou deux carnets que mes présentations se... comment dire, deviennent assez sobres par rapport à ce que j'ai pu faire il y a quelques temps. Je m'y retrouve beaucoup parce que ça me fait gagner du temps d'une part. Ça reste joli, mais parce que je travaille notamment beaucoup mes titres. Mais voilà, c'est plutôt rapide à faire et j'ai plus de, vraiment de temps à consacrer à de la déco très précise. Idem pour mes listes, je les présente toujours de la même façon. J'essaye en fait d'uniformiser un peu mes présentations pour gagner du temps tout en ayant quelque chose qui soit esthétique, parce que c'est important pour moi. Mais dans tout ce que je faisais avant, j'ai sélectionné ce qui me plaisait, ce qui était rapide à faire. Disons que j'avais envie de quelque chose qui donne un maximum de résultats en un minimum d'efforts. Donc j'ai choisi les choses qui fonctionnaient bien, que je trouvais esthétiques dans mon carnet, ces typos coloriés, les petites étoiles, les points, les pointillés. Et donc tout ça s'est décliné tout le temps sur mes pages de la même façon. Les dégradés de couleurs à chaque fois que je colorie. Voilà, toutes ces choses-là, elles se répètent en fait partout, mais de différentes manières. Soit je change de couleur, je change de taille, je change de disposition, mais le principe de base est le même. Donc ça me fait gagner beaucoup de temps. Et puis ça donne quelque chose d'assez homogène en fait, d'assez cohérent, et ça me plaît bien. Donc je vous dis ça parce qu'on me demande souvent comment faire pour décorer son bullet journal sans y passer sa vie. Et pour moi, ça c'est une méthode intéressante, de choisir les choses qui fonctionnent bien pour vous, qui à la fois vous demandent peu de temps et qui ont un bel effet. Voilà, ma vie niveau 10, donc ça fait, c'est bien la troisième ou quatrième fois maintenant qu'on en parle de cette page de développement personnel, cette double page. Le principe, alors c'est un outil qui est issu notamment du Miracle Morning, la méthode de Hal Elrod. Et dans ces exercices de développement personnel, il parle de ça, ma vie niveau 10. Il s'agit de définir 10 domaines de votre vie que vous évaluez assez instinctivement de 0 à 10. 10 étant votre idéal actuellement. Et une fois cette première note établie, vous réfléchissez à ce que vous pouvez mettre en place comme action pour vous améliorer dans chacun des domaines de votre vie. Alors, moi, j'ai choisi des domaines différents, couple, enfant, développement personnel, ma maison, zéro déchet, vie professionnelle, santé, finances, famille et amis, sport et loisirs. Vous pouvez établir ce suivi avec la forme que vous voulez. Ça peut être une courbe, un graphique, ça peut être une cible, un diagramme, ça peut être exactement ce que vous voulez. Moi, ça fait 3 ou 4 éditions que je le fais en version mandala parce que je trouve ça vraiment trop joli. Et c'est vraiment une double page que j'adore. Et voilà, donc une fois encore, j'ai réitéré ce mandala qui sera bientôt à dispo en téléchargement gratuit parce que vous me le demandez tellement que je ne vais pas avoir le choix que de vous le donner. Donc voilà, il faut juste que je prenne le temps de le vectoriser, de vous préparer ça bien et de vous le mettre à dispo. Le fonctionnement, c'est que pour moi, chaque domaine correspond à un motif. Et chaque motif se répète 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est mon couple, par exemple. Pour le moment, par rapport à l'idéal que j'aurai aujourd'hui, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord ? 7, pardon.
mes enfants par rapport à l'idéal que je voudrais atteindre. Je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 10. Okay? Donc l'idée, c'est qu'à la fin, tout mon mandala soit colorié. Et pour ça, sur cette deuxième page, je n'ai pas encore eu le temps de le remplir, mais pour chacun des domaines, je vais écrire les différentes pistes d'action qui s'offrent à moi et que je me sens en mesure de mettre en place. À chaque fois que j'aurai la sensation de passer un palier ou que visiblement j'aurai progressé, je pourrai ajouter 1, 2, 3, 4 points, pourquoi pas. L'idée étant qu'à la fin, donc, tout le mandala soit colorié. Ici, nous avons ma double page de routine hebdo. Alors ça, c'est quelque chose que je fais depuis mon tout premier carnet. C'est très pratique parce que comme je suis en garde alternée, mes semaines avec les enfants et sans les enfants sont radicalement différentes. L'idée donc, c'est de voir un peu comment se répartit mon temps entre mon travail, la logistique de la maison, le temps que je passe avec les enfants, etc. Donc pour bien visualiser tout ça, j'ai mis des codes couleurs. Par exemple, le temps que je passe avec les enfants est en violet. On voit que sur les semaines où ils sont là, il y a quand même pas mal de temps qui est consacré 100% enfants. On voit également que la logistique de la maison, par exemple, qui est en jaune, elle prend une certaine place, alors que les semaines où les enfants ne sont pas là, la logistique de la maison, c'est beaucoup moins, et le travail, beaucoup plus. Voilà, donc ça me permet en fait d'avoir une vue globale de ce qui fonctionne bien pour moi dans la semaine en termes de succession des activités. Bien sûr, c'est adaptable, mais ça me permet d'avoir une routine qui augmente un peu ma productivité et qui me permet d'aller plus loin dans ce que je fais. Ici, on a mes rituels, rituel matinal et rituel vespéral, parce que depuis début décembre, j'adopte donc la méthode du Miracle Morning, même si j'en avais quelques comportements déjà, mais le gros changement, c'est que je me couche très tôt pour me lever très tôt. Donc je me lève à 5h30 et je me couche à 22h. L'idée, c'est d'avoir 7h30 de sommeil, 7h minimum, 7h30 au mieux. Et donc ce rituel matinal, il consiste à 10 minutes d'étirement, 10 minutes de méditation. Pendant mon thé, je fais des visualisations et de l'affirmation. Pendant que je bois mon thé, je lis 20 minutes. Une fois que je me suis bien réhydratée, je fais 15 minutes d'exercice type abdos-fessiers, mais ça c'est quelque chose que je faisais déjà avant et que j'intègre en fait dans ma routine Miracle Morning. Et je termine par 30 minutes de journal, c'est-à-dire que en fait, je mets à jour mon bugeot, je remplis mes trackers, je planifie ma journée, éventuellement ma semaine, si jamais on est lundi matin par exemple, etc. Et le soir, pareil, il y a un autre rituel. Les semaines où les enfants sont là, il y a deux étapes qui les concernent. Et sinon, je commence directement par celle-ci, où je fais un peu de tricot de crochet, je déplie mon lit puisque je dors dans mon salon, vu que ma deuxième chambre est mon atelier couture, et mon atelier bureau d'ailleurs. Je fais ma toilette du soir, ensuite je me couche, je lis, et je finis par m'endormir. Donc ça, c'est un rituel qui se déroule de 21h à 22h, et mon rituel matinal de 5h30 à 7h. Ici, je ne le détaillerai pas maintenant parce que je vais le détailler dans la seconde vidéo, mais c'est donc mon tracker trimestriel de suivi de mes objectifs. Rapidement, un objectif ici, mon objectif de réduction des déchets, il est en vert. Objectif de lecture, objectif de déstockage des pelotes ici, objectif de sport ici, parce que courir 50 minutes c'est mon objectif, mais pour courir 50 minutes il faut que je gagne en endurance, donc il faut que je fasse du cardio, et il faut que je me tonifie de toute façon, donc il y a plusieurs choses qui sont mises en œuvre pour ça. Ici, objectif de constance dans mes publications, et ici, objectif de développement de ma communauté. On verra donc dans la seconde partie, comment ça fonctionne exactement. C'est un tracker, on dirait pas comme ça, mais c'est un tracker trimestriel. Ici, je gère 3 mois en même temps. Ici, on a la page quotidienne d'aujourd'hui. Je n'ai pas encore pris le temps de cocher ce qui est fait ou pas. Et puis, une des pages qui va me permettre de suivre et de progresser dans mon objectif de constance de publication, c'est un plan de contenu où je fais la liste un peu de ce qui se passe, à quel endroit. Si on est sur le blog, les mails que je vous envoie, la page Facebook, le compte Insta, la chaîne YouTube, voilà, en fonction du jour, qu'est-ce qui se passe, à quel endroit. Et ici, le type de contenu que je publie par plateforme. Je fais attention, en fait, pour que ce soit intéressant pour vous d'être abonné à l'ensemble des comptes. Si je vous parle de la même chose à tous les endroits, ça n'a pas de sens.
Donc, sur le blog, vous trouvez des choses que vous ne trouverez pas dans les mails, que vous ne trouverez pas sur Facebook, que vous ne trouverez pas sur YouTube, etc. Donc, Instagram, par exemple, il n'y a que des photos bullet journal, création, etc., que vous ne voyez pas du tout sur Facebook. Et sur Facebook, il y a du partage de liens, des mots d'enfants, des choses comme ça, que vous ne voyez pas du tout sur Instagram, par exemple. Donc voilà, l'idée, c'est de faire un audit assez précis de ce que je partage, à quel endroit, de façon à ce que ce soit intéressant pour vous de suivre l'ensemble des comptes et que ça ne fasse pas une espèce de redite bizarre. Voilà, donc ça, c'est la mise en place 2019 dans mon carnet. Ce sont les premières pages, hein, ça va encore bouger pas mal parce qu'on est quand même qu'au tout début du mois. Je profite de cette vidéo vite fait pour vous faire un petit point matériel. Parce que de la même façon que je vous expliquais que j'avais quand même assez allégé mes présentations de pages, j'ai aussi assez allégé mon matériel. Et notamment, hormis quelques tampons que je vais utiliser cette année, je pense, dans mes pages quotidiennes, en écriture, voilà, je me limite désormais à ça. Donc ici, on a mon stylo d'écriture, qui est un V5 Hi-Tech Point en taille 0.5 de Pilote. C'est un stylo rechargeable avec une cartouche. Donc c'est pas vraiment zéro déchet, hein, mais au moins c'est moins pire que de jeter tout un crayon. Ça se trouve en grande surface, c'est vraiment pas cher. Et c'est une pointe métal en plus qui est inusable. Donc c'est vraiment intéressant parce que le stylo en lui-même, le corps en lui-même, vous pouvez le garder très très longtemps, il n'y a que les cartouches que vous changez. Et moi qui écris beaucoup beaucoup beaucoup, les cartouches me durent quand même un bon moment. Hein. C'est un débit qui est assez fin, donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Ici, Faber-Castell Pitt Artist Pen en pointe B, pointe brush, donc c'est une pointe pinceau. Alors, je me sers de ce feutre pour remplir mes calligraphies noires, ici, d'accord ? Les calligraphies sont tracées, qu'elles soient noires ou qu'elles soient coloriées, elles sont tracées avec ceci. Stadler Pigment Liner en taille 0.1 ou 0.05. J'aime assez le 0.05 parce qu'il est très très fin, mais actuellement j'en ai plus, donc je me sers de mon 0.1. Voilà. Et donc, pour colorier, j'ai en noir le Pitt Artist Pen en pointe brush noire. Et j'ai également, ça c'est la nouveauté de l'année, qui m'est offerte par Dalb, en test, et je suis vraiment super fan. C'est la même gamme que le noir, donc toujours pareil, Faber-Castell Pitt Artist Pen en pointe B, mais gamme pastel. Et donc là, j'ai 12 couleurs qui sont absolument superbes, que vous pouvez voir ici, parce que là, voilà, ce sont toutes les couleurs de la gamme pastel Pitt Artist. Tout le bugeot, là, hormis les fonds qui sont en crayon de couleur, ici, là, les petits jaunes, tous les titres sont coloriés au feutre Pitt Artist Pen pointe B de la gamme pastel. Donc voilà, tout ça c'est du Pitt Artist, tout ça aussi, tous ces titres là, celui là, ça c'est du Pitt Artist, tous mes points, mes étoiles, c'est du Pitt Artist, mes jours sont en Pitt Artist aussi, ça, tout ça c'est du Pitt Artist. Voilà, donc j'ai décidé de ne faire ce carnet qu'avec cette boîte pour avoir toujours une forme de cohérence. Ça c'est du Pitt Artist, ça c'est du crayon de couleur par contre, tous les grands aplats de couleur c'est du crayon. Ici, c'est du Pitt Artist aussi. Enfin bref, voilà. Donc, et ça, c'est du crayon de couleur, par contre. Voilà, donc j'ai décidé de faire ce carnet uniquement avec du Pitt Artist et du crayon de couleur pour les grands aplats. Ça va être assez sympa, je pense. Voilà pour ce petit point matériel. Je vous propose... il va vraiment falloir que je change ce masking tape qui ne tient pas en place. Ce n'est pas du vrai masking tape, d'ailleurs, c'est pour ça que ça ne tient pas bien. Hein. La grande différence entre le vrai masking tape et le faux, c'est que le vrai masking tape, il ne laisse... Déjà, il est très résistant, il colle très bien, et si jamais on le décolle, il n'arrache pas le papier. C'est pas du tout la même qualité. La différence de prix entre un vrai masking tape et un faux masking tape est tout à fait justifiée. Hein. C'est pas du tout la même qualité. Bref, voilà donc pour ce petit tour de début 2019. Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite pour la vidéo sur la définition et le suivi d'objectifs.